30e victoire en Coupe du Monde pour la Française. C'est hallucinant. Bref, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour la finale ici à Almaty. Perrine Laffont face à Jelinkov. 30e victoire en Coupe du Monde dans le viseur pour la Française. C'est serré. Jelinkov qui a fait une petite faute à la reprise du ski, mais qui tient le rythme et qui a une demi-passe d'avance pour Perrine, juste pour l'embêter, juste pour lui montrer qu'elle est là. Allez, il faut que Perrine elle fasse un joli backflip. Elle a fait une erreur. Encore Jelinkov sur le côté. Et Perrine qui va peut-être passer devant sur la fin. Oui, Perrine, allez, va la chercher. C'est fait. C'est ça. 9 dixièmes d'avance sur Jelinkov. Elle est incroyable, Perrine Laffont. Elle est imbattable cette saison. Quel run de la Française encore une fois. Et quelle finale sur 30e victoire en Coupe du Monde pour la Française. Exceptionnelle encore une fois. Elle a réussi à battre tout le monde avec la manière. Perrine Laffont qui bat encore une fois des records sur la Coupe du Monde après avoir effacé de la première place Edgar Gros-Piron en termes de victoire.